Nope. Donc ça ne passe pas. Bonjour à tous déjà. Et la solution que certains m'avaient pro... Oh, il y en a une qui est pas... Non, tu passes où? T'es passé où? T'as disparu. La solution que certains m'avaient proposée ne fonctionne pas pour une raison toute con. Déjà parce que Minecraft glitch, ça c'est bien connu. Non, en fait c'est parce que ce qui se passe avec l'escalier, c'est qu'il le tire derrière. Je pense que c'est à cause de la dalle ici que je ne peux pas enlever malheureusement. Et là, c'est peut-être ici dû aussi au fait qu'il y a un trou ici, mais je peux pas mettre de bloc. J'aurais pu mettre un bloc avec injection de courant, mais je peux pas en mettre de bloc parce que derrière ça boucle ici. Bon bref, tout ça pour dire que c'était une bonne idée, mais qu'avec ma configuration actuelle, ce n'est malheureusement pas possible. Donc on va se contenter de... Eh mais... Ah quand même, ils avaient volé là-haut. On va se contenter de ça. Ouh, le beacon. De l'installation de base, c'est très bien comme ça. Voilà, on est content, c'est joli. Nanana. Voilà. Hop là. Et donc, la suite, qu'est-ce que ça va être? Et oui, on m'a fait remarquer aussi que... non, on m'a fait remarquer des bêtises. Le premier déclenchement, il n'est pas dû au bouton, hein, parce que le bouton... Ça conduit peut-être le courant, mais ça est alimenté. C'est-à-dire que ce bloc-là est alimenté, donc ça se propage pas ici. La propagation à travers les blocs, c'est que quand c'est allumé avec du courant fil de redstone ou repeater, pas quand c'est alimenté par un bloc, sinon ça se propagerait à l'infini. Bref, maintenant que j'ai perdu nos quelques viewers qui ont rien compris à ce que j'ai dit, on va pouvoir commencer la déco. C'était un test éliminatoire pour ceux qui regardent que les 3 premières secondes des vidéos. Je raconte n'importe quoi aujourd'hui. Je suis en easy, c'est bon. On va faire de la déco aujourd'hui. Préparez vos... J'allais dire préparez vos kimonos. Je sais pas pourquoi, c'est le premier mot qui m'est sorti à l'idée. Préparez rien du tout. Ouais, on va rester déco. Tiens, c'est pas couvert là-bas. Je veux décorer la salle des mobs. J'ai absolument pas réfléchi au design encore, ça va me prendre un petit peu de temps à réfléchir. Je vais sûrement vous faire des timelapses à la con, parce que ça sera mieux. Faut que je décore ici aussi. What? Ça sera plus joli. Non, rien d'autre. Donc, j'avais parlé de cette déco là. J'ai un souci avec ça, c'est que ça me fait du relief, et que ça va être une merde pas possible à... devoir baisser la hauteur de ce truc là, à devoir baisser la petite salle en dessous, donc je pense pas que je vais partir là-dessus. Ce que j'avais bien aimé, en tout cas sur ce que j'avais fait jusqu'à présent. Aïe. Ah oui, ils sont toujours là, mes deux villages, j'ai eu peur quand même. Coucou. Ce que j'avais bien aimé, c'est. Enfin, moi, à mon avis, c'est ça là. Je trouve que ça rend plutôt bien. Donc ce que j'envisageais de faire, c'est garder. Garder ça pour les bordures. Peut-être ici, mettre du verre ici, mettre du verre là-haut pour les conduites. Voilà, c'est pour les blocs normaux. Le pixel art, si j'en suis pas totalement satisfait, je changerai peut-être la couleur du CD. C'est-à-dire, bah non, en fait, on peut pas changer le gris. Je sais pas, y a une différence entre celui-là et celui-là parce que celui-là c'est en Faithful 32. Wouh, vas-y, vole le CD. Je vous mets tout le temps la chanson, la même chanson, vous avez pété un câble. On va mettre Strad. On va mettre celle-là, ma préférée. Donc du coup, ça rendra peut-être mieux quand j'aurai changé la déco. En tout cas, bon, je vais utiliser ça, là, la stone brick, pour faire les contours. Je pense que ça peut être une bonne idée. Flippante, cette musique. Et pour le reste, il faudrait quelque chose qui atténue pas trop mais qui reste dans les tons clairs. Je pensais éventuellement... On va laisser tomber le bois, j'ai beaucoup utilisé du bois. Le quartz... Le quartz, le quartz. Le quartz pour le coup j'utiliserai peut-être ici. Le marbre, le quartz, hein, je sais pas comment vous l'appelez. En descendant cet entonnoir, mais on peut pas parce qu'il y a le... On peut pas, hein, je crois pas. Évidemment, il a été absorbé. Oui, on peut pas le descendre. Rends-moi mon entonnoir. Donc, pff, je vais réfléchir à tout ça. Je vais voir quels sont les meilleurs matériaux à utiliser. Ici, on va rester. C'est vraiment horrible cette chanson. Dans ce style-là.
Ça me paraît être le mieux sans ce coin-là qui sera retourné dans l'autre sens. Puis pour le reste, bah écoutez, je vais déjà faire quelques modèles pour vous montrer. Je doute que je reviendrai dessus parce que je vais faire toute la déco aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira. Sinon, tant pis, désabonnez-vous, hein, tant pis, faudra faire avec. Non, je déconne. Si vraiment ça plaît à zéro personne, que je me paye que des pouces rouges, évidemment je changerai la déco parce que faut que ça vous plaise quand même. Et je compte commencer à m'expérimenter un peu à la déco, je suis pas du tout bon pour ça, donc peut-être en travaillant à force ça viendra un petit peu. Et puis voilà, et puis j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Bon allez, je commence un petit peu le truc, je fais pas de timelapse pour l'instant, je vous montre les modèles, et ensuite quand je ferai la déco complète, j'essaierai de faire un beau timelapse. Par contre là-haut je sais exactement ce que je veux faire et là c'est pas négociable, et là je vous ferai un timelapse. Donc à tout à l'heure. Et merde, j'ai envoyé une enderpearl contre mon ami le golem et du coup il est fou contre moi. Je sais plus comment on fait pour faire en sorte qu'il nous aime maintenant. Je veux pas qu'il me tue, mon ami. J'ai pas fait gaffe, j'ai lancé l'enderpearl et j'ai compris que après. Si je m'éloigne suffisamment, peut-être que ce qu'on va essayer de faire. Oh non, je veux pas qu'il devienne méchant. Tiens, il y en a un autre là-bas qui a spawné encore. Pff. Ah oui, c'est depuis qu'ils ont changé le spawn cap, donc c'est normal celui-là. Tant que les autres spawnent là-dedans, c'est bon. Coucou toi. T'es pas furieux contre moi, hein, je suis un gentil. Hein? Qu'est-ce que vous avez tous? Partouze? Maintenant que c'est légal. Hein. Ouais, non, lui est pas fou furieux contre moi. Je vais retourner là-bas. J'espère vraiment qu'il est pas fou furieux contre moi. C'était un bon vieux Yami, Bob. Parce qu'on, oui, on va l'appeler Bob. C'est la transformation de l'ancien villageois. On va voir ce que ça donne. J'étais allé chercher mes blocs et. Mauvaise surprise. Bon. Alors Bob, es-tu toujours furieux contre nous? C'est pas bon signe ça. Je vais devoir l'emprisonner. Falloir être rapide. Non, 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 tu me fais mal! Bon, on va voir ça autrement. Comment on va faire ça? Je suis en train de réfléchir. Problème complexe, parce que je veux le garder avec nous. Donc, déjà, primo. Ouais, instant heal, ça peut servir. C'est une régène que je veux. Faut que je creuse plus, qu'il descende, que je contourne. Non. Se démerdera pour reboucher ensuite. Pas encore assez? Allez, approche-toi encore un peu. Yes! Peut plus sortir. Coucou ma poule. Aïe, genre tu m'as à travers. T'es coincé! Lololol. Bon, il va falloir que je rebouche ça pour que je fasse quelque chose de joli. Hein, pour qu'on lui fasse une maison potable quand même. Mais en attendant, pas d'autre solution. Va falloir le laisser dans son coin. Donc on le laisse juste temporairement ici. Je te mets un peu de lumière, Bobinounet. Et puis ben tant pis, hein, c'est le seul moyen de le conserver parce que je veux pas le tuer quand même. Je verrai s'il y a une solution pour le re-rendre amical, mais je crois pas. Hein. Pas pour les golems. Bon, bah sur ce, je retourne à ma déco. Donc à tout à l'heure. Ok, donc reprenons un peu l'idée globale. Je vais commencer par les murs, qui est le plus simple à faire pour moi. Dans l'idée, ce que je voudrais, c'est reprendre cette histoire de Stone Brick, de Nether Brick plutôt. On a fait l'interface centrale. Il faudrait que je vois si en mettant des piliers, ça se rattache, mais je pense pas. Je pense pas. Bon, bref, faire les couloirs. C'est-à-dire les couloirs vers les systèmes. Par exemple, là-haut, un couloir de Stone Brick avec, pourquoi pas reprendre
des vitres pour montrer qu'on voit juste la tête, quoi, hein, ce genre de choses. Bon, évidemment, il faudra changer ces blocs-là, mais ça, c'est du détail. Hop, et plus un vers le bas qui pointe directement à ça, pour isoler système. Et de l'autre côté, pareil, salle encerclée de stone brick. Je sais pas si ça va rendre bien. Oh, quoique si, ça passerait. Donc, nether brick, pardon. Quoique je pourrais faire de la stone brick aussi. Ouais, mais ça va faire trop. Nether brick ici aussi, juste ça entouré. Et pour tout le reste, j'imaginais du quartz, mais en retrait, c'est-à-dire décalé d'un en profondeur. Ce qui permettra de rajouter du relief, en fait, au niveau de la salle. D'avoir vraiment une impression de relief. Et généralement le quartz avec le rouge, ça va plutôt bien ensemble, hein, le blanc blanc rouge. Ça fait ressortir vachement le rouge. D'ailleurs j'ai fait un petit test ici. Les deux vont ensemble, je sais que les deux vont ensemble. J'ai une torche qui a sauté. Hop. Pour le sol, il faudra que je réfléchisse à un pattern de lumière aussi. Forcément, parce qu'il va falloir éclairer tout ce bordel. Et le sol, je sais pas qu'est-ce que je vais utiliser. Peut-être de la stone brick. Voir ce qui ira le mieux avec. Donc voilà, j'ai fait pas mal de quartz. On pourra peut-être utiliser vous savez, des blocs différents pour ajouter aussi du relief. J'ai pas encore réfléchi comment. Bon, je vais essayer de voir un peu ce que ça donne, et puis je fais un point avec vous dès que j'ai quelque chose qui me plaît. Donc, voici le premier jet. Alors ça, c'est uniquement pour la structure. Il n'y a pas la déco de fond, hein, pour l'instant, vous inquiétez pas, mais c'est pour représenter tous les flux pour les mobs. Donc on garde notre interface principale et on a tous les flux, que ce soit pour l'usine à disques, pour la téléportation vers le Nether. D'ailleurs, merde, j'ai pas pris le levier, faut que je remette le levier ici. Pour la séparation villageois, qui se finit ici. Donc maintenant, ce que j'envisage de faire. D'ailleurs, au lieu de mettre. Maintenant que j'y pense, ça aurait pu être mieux. Réfléchissons, est-ce que ça on peut mettre. Non, on peut pas sur les descentes, donc ça aurait pas été mieux. Donc maintenant déjà remplir là de vitres, là-bas aussi. Faire tout le chemin visible pour les mobs en fait, que les mobs on les voit en tout temps. Ensuite, faire en sorte que les boutons soient visibles aussi. Celui-là aussi, celui-là qu'est-ce qu'il fait déjà? Ok, il sert là-haut, mais j'avais dit que de toute façon là-haut je le relierais à ça, donc ça changerait. Mais que ce bouton-là, ces quatre-là soient visibles, celui-là, bon, il est par-dessus. Le levier ici soit visible, donc changer le bloc sur lequel il se pose. Et enfin, faire la déco qui est derrière, je veux définitivement le faire au quartz. J'ai mis mon stock là-bas, j'ai un gros stock de quartz, hein. J'étais parti dans le Nether, faire le tour du Nether. Et le mettre légèrement en retrait pour donner de la profondeur. Je pense que ça peut être pas mal. Là, éventuellement faire autre chose pour les villageois. Faire un peu de volume avec le bois. Me paraît bien. Donc là, je verrai si je garde ça. Et puis le sol, on s'en occupera après. Le plafond, il est déjà fait. Et il reste la déco après de la tour à mob. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'arrête de bouger dans tous les sens. Il faudra que je fasse quelque chose de spécial ici aussi. Mais je pense que pour le coup, je peux réutiliser de la stone brick ici tout simplement. Je pense que ça peut le faire. Et j'ai réparé mon truc parce qu'elle était quasiment morte. J'ai pas pensé à retester la machine à enclume du coup, mais certains me disaient qu'elle marchait plus. Je vois pas de raison pourquoi elle marcherait plus, parce qu'elle fonctionnait très bien jusqu'à récemment. Ouais. Et là peut-être mettre une deuxième couche comme j'ai fait ici. Je sais pas, on verra. Et peut-être abaisser du coup tout le sol d'un. Quand je dis abaisser, c'est légèrement. Pour mettre des surfaces, pour mettre des escaliers sur le côté. Ouais, je vais voir. Je vais voir ce qui est le mieux honnêtement. Et puis on verra. Mais bon, je vais commencer déjà par le fond là. Ce qu'on a derrière. Mettre des vitres partout. Et puis le fond. Donc à tout à l'heure pour un nouveau point déco. Attention les yeux! Je suis en marche arrière. Tadam! Donc, j'ai fini cette partie-là de la déco, ça m'a demandé un temps. Oh, j'ai oublié cette partie-là, merde. Ça m'a demandé un temps très conséquent, c'est le cas de le dire. Oh. Attends,
torche qui traînait. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait aussi en timelapse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous montrer? J'ai changé un peu la façon dont mes canaux sont dirigés. J'ai mis plutôt des escaliers, ça rajoute un peu de relief. Je trouve que ça fait pas mal. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la possibilité de mettre des dalles contre. À l'heure actuelle, ça aiderait vachement. Peut-être qu'un jour, ils rajouteront ça. J'ai un petit problème de d'assombrissement ici. J'ai rajouté une lampe, mais ça n'a pas suffi. Enfin bref, donc du coup, les canaux, ça vous l'aviez déjà vu un peu le design. J'ai changé, j'ai coloré les murs derrière parce que c'était pas tout le temps le cas. Bref, j'ai uniformisé le truc. Ça, c'était pas énormément de boulot. Ensuite, j'ai rajouté de la stone brick parce que la stone brick va plutôt bien avec la nether brick, hein. Ça reste de la brique donc ça va bien ensemble, les couleurs sont propres. Mais je l'ai rajouté comme vous pouvez le voir un bloc derrière, ce qui permet d'avoir un certain relief et c'est surtout ça se voit énormément sur le pixel art de CD et je trouve que ça rend vraiment beaucoup mieux pour le coup hein, de rajouter ce petit coup de relief, je sais pas ça permet de rajouter un peu de profondeur, c'est plutôt sympa. Donc voilà pour ça. Ici j'ai mis du quartz, je suis pas encore convaincu du résultat, c'est pour ça que j'ai pas changé derrière, donc je changerai peut-être. Faut que je réfléchisse un peu à ce que je pourrais mettre. Mais le quartz aurait été bien si on avait une colonne au milieu pour découper un peu. Et puis bah à part ça, j'ai pas fait le sol encore, ça viendra plus tard. J'ai remplacé un peu quelques boutons, même s'il n'y a pas tout. Celui-là, faudrait que je remplace par autre chose. Des indicateurs de lampes qui peuvent être pas mal. Il y a des lampes encore qui sont allées se cacher là-bas. Là, on sait comme ça que là, le système est sur on, là, le système est sur off. J'ai dû l'inverser, mais c'était pas grand-chose. Juste une petite barrière pour le fun. Hein. Bon, ça c'est l'usine à disque, ça a pas changé. Donc voilà, non, je suis plutôt content du résultat. Ça. Il manque encore le sol, clairement. Ça ira beaucoup mieux une fois que le sol sera fait. J'ai pas encore totalement décidé ce que j'allais mettre au sol, mais. Mais déjà, les murs, c'est plus propre. J'ai pas fait cette partie-là parce que c'est pareil. Je sais pas si je remonte jusqu'en haut ou si je laisse la cassure telle que je l'avais faite. Je pense que je vais remonter jusqu'en haut. La cassure est pas très très propre comme ça, donc. On va voir. Mais pour l'heure, on va laisser cette salle de côté. Hein. Je finirai ça la prochaine fois. J'ai quand même pas mal avancé là-dessus. Hein. Le plus dur est fait, on va dire. Ce qui était très chiant, c'est là-dedans, chaque fois qu'on remplaçait un bloc, de devoir. D'ailleurs, j'espère que le courant est bon. Ouais. De devoir replacer des pancartes partout. Peut-être besoin de. Non, il n'y avait pas besoin de pancartes ici. Pancartes, plaques de pression et tout. Faire gaffe au système, parce qu'il y a des systèmes redstone derrière. Tiens, j'aurais pu remplacer cette ligne-là. Ouais, je l'ai pas fait. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, et l'eau qui est ici, oui, est tout à fait normal, je suis en train de me dire. Non, et là ça continue à récolter. Donc, comme j'ai dit, je vais laisser ça de côté et je vais me concentrer sur les tours. Donc, ça sera la fin de l'épisode pour aujourd'hui. Je vais vous faire un petit timelapse de la déco de la cour, de la tour. On va commencer la déco, elle sera pas forcément entièrement finie, mais je vais la commencer. Et ben, je vous laisse observer ça et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.